Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de combien de langues je parle, en commençant par l'anglais, suivi de l'italien et du russe, de l'espagnol et de l'hindi. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mes conseils pour apprendre une langue. On va commencer. I started learning English when I was 7, I think. 2 hours a week, I mean, normal. I had a French accent, I was scared to speak. And then when I was in 6th grade, I decided, okay, I really want to learn, like, it's an important language. So I started to focus in class and do my homework. And when I was 15, I went to US for 3 months in a school, Waldorf school, in an exchange program. Yeah, that's where I improved the most, I think. When I came back, I wanted to keep what I learned, so I basically watched movies and spoke to people whenever I could, and yeah, I think that's it. Then when I was 17, I came to India for 7 months. I mean, that was the plan, and I'm still here after 3 years, so yeah. I do have an accent sometimes. Especially if I speak with people that have the Orwellian accent, the place where I live. And yeah, it's funny, but I don't know if you can hear it. Anyway, so that was for English. Ok, passons all'italien. Allora, ho imparato l'italiano qui 2 anni fa. Ho iniziato perché mio fidanzato poteva parlare italiano e io no. E quando siamo andati in Italia per un viaggio, così, nelle vacanze, non potevo dire niente. Lui parlava e io mi piace parlare, molto, sai? E quindi ero, ok, che cosa faccio? Quando siamo tornati in India, ho deciso di studiarlo. E quindi ho iniziato a guardare film, serie, a studiare su internet, a parlare con Satya, mio fidanzato. E dopo un po' potevo parlare, non lo so, era magico. Adesso sono molto contenta perché è una bellissima lingua. Mi piace molto l'Italia anche. Non era tanto difficile perché sono francese, quindi è una lingua latina, molto vicina al francese, quindi sì, era piuttosto veloce. Adesso sto imparando lo spagnolo e quindi nella mia testa è molto molto confuso, sfortunatamente, però penso che dopo un po', quando saprò lo spagnolo abbastanza bene per parlare senza mettere parole italiane, penso che andrà bene. Donc ça c'était l'italien. Maintenant, привет, я Фанни. Я учила русский язык в школе. Я начала 3 года назад. У меня учитель в школе. Мне очень нравится изучить с ним. Я тоже могу говорить с Сатьяваном, потому что он изучал с ним тоже. Я надеюсь, один день я могу улетать в России и видеть, если я могу говорить правильно с русскими. Пока. Voilà, c'était le russe. Maintenant, l'espagnol. Inicié a aprender l'espagnol muy recientemente. Quizás 7 meses antes. Me gusta mucho. Mi profesora es muy linda, muy gentil, paciente y me gusta mucho aprender con ella. Me gusta viajar, entonces pienso que es importante saber hablar español porque en el mundo ahora muchísimos países hablan el español. No puedo hablar perfectamente aún, pero quizás en algunos meses hablaré mejor. Maintenant, hindi. Jab me orovil, aitab mene, hindi sikna shuru kiya. Kuch mahino ke baad sikna band kar diya. Alag alag bhashaye
सीखना मुश्किल है लेकिन मुझे हिंदी सीखना बहुत पसंद है और लिपि भी मैं आशा करती हूँ कि एक दिन मैं हिंदी अच्छे से बोलूँगी ऑरोविल में बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन जब मैं इंडिया में घूमूंगी तब मैं हिंदी बोलूँगी और मैं अपने दोस्त के साथ हिंदी में बात कर सकती हूँ मने तोरु गुजराती आवरे छे ok, donc ça c'était l'hindi. Bon, comme vous avez pu le voir, je parle pas encore couramment, mais j'y travaille. J'espère que ça vous a plu. Bon, cette vidéo n'est pas du tout organisée, genre je sais pas quoi dire quand, parce qu'il faut que je pense à la faire aussi en anglais et en italien. Donc pour l'instant je parle juste français. Anyway, ok. Donc maintenant, mes conseils pour apprendre une langue. Partir dans le pays, c'est une chose, on est d'accord. Si on est un peu flemmard ou si on n'a pas le temps, être dans le pays, ça aide parce que t'as pas le choix. Tu veux acheter du pain, tu dois parler la langue. Tu veux sociabiliser, il faut que tu parles un minimum la langue. Donc, c'est pas mal d'aller dans le pays. Le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a les sous pour, et la possibilité d'aller voyager ou de déménager dans le pays en question. Donc après l'idée c'est que si on peut pas aller dans le pays, on peut éventuellement faire comme si on était dans le pays. Ça veut dire que on se bourre la tête, littéralement on bouffe la langue autant qu'on peut par jour. Donc c'est à dire que on va écouter des podcasts, on va écouter de la musique, on va regarder des films, on va suivre des youtubeurs sur les réseaux sociaux, on va suivre des gens qui parlent la langue. Et on va lire, je sais pas, leurs commentaires et... Faut mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on soit comme immergé dans la langue tout en étant en France. Ensuite, ce qui peut être cool, c'est de faire vraiment en fonction de nos intérêts. C'est-à-dire que, bah voilà, si on est passionné de sport, on va regarder des interviews de sportifs, des émissions de sport, un match de foot avec les commentaires en italien ou en russe. On va lire des biographies de sportifs. Voilà, faire en fonction de nos intérêts. Comme ça, ça nous permet d'apprendre quelque chose qui nous intéresse et on n'a pas l'impression que c'est difficile parce que ça nous plaît. Et à la fois, bah, on progresse beaucoup, on améliore son vocabulaire, etc. Ça, c'est la partie, entre guillemets, facile. Ensuite, il y a aussi le fait d'apprendre avec tout ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'il y a un documentaire sur quelque chose qui vous intéresse pas ou un film qui est pas si cool que ça, vous le regardez quand même. Parce qu'il n'y aura pas toujours des choses qui vous plaiseront. Et c'est comme ça, il faut l'accepter et on apprend quand même. Même si le sujet n'est pas top top, bah c'est pratique. Donc je vous conseille vraiment de, dès que vous avez une possibilité d'apprendre, que ce soit, j'en sais rien moi, une série, il y a vraiment ce truc effet, genre t'as envie de regarder l'épisode d'après, et ça c'est super parce que au début quand tu comprends pas, t'as envie de savoir la suite, et voilà. Donc les séries c'est pas mal, mais aussi quoi que ce soit, enfin que ce soit un texte, un livre, un truc, vous allez à la bibliothèque, vous chopez un livre dans la langue que vous voulez apprendre, et vous commencez à lire sans même penser si c'est intéressant ou pas. En parlant de lire, ce qui va se passer, c'est que si vous n'êtes pas dans le pays, ou même si vous l'êtes, et que vous faites cette immersion comme je viens de vous dire, c'est-à-dire écouter et lire éventuellement, et ben vous n'allez pas parler votre langue, tous vos muscles de la bouche, ils ne vont pas être actifs, et c'est dommage parce que après le jour où vous devrez parler, ben ils ne seront pas du tout habitués, quoi, ces muscles-là. Donc c'est hyper important d'essayer de lire à voix haute parce que ça vous entraîne, ça entraîne les muscles de votre bouche, vous vous habituez à votre voix quand vous parlez cette langue, vous pouvez vous contrôler, répéter le mot plusieurs fois, alors que quand vous parlez à quelqu'un, genre vous n'allez pas vous reprendre sur un truc de prononciation, enfin c'est plus difficile. En plus de ça, vous n'avez pas de stress quand vous lisez, vous avez juste le livre et vous qui peuvent vous juger et voilà, c'est beaucoup plus facile de parler comme ça ou devant son miroir ou voilà que devant des gens ou quand on vous pose une question et vous êtes censé répondre et vous savez pas quoi dire ou vous avez pas compris. Donc c'est pour ça que les films c'est super parce que c'est comme si c'est des gens, enfin vous voyez des dialogues, vous voyez des discussions, des choses qui se passent dans une situation assez sympa parce qu'en général les films c'est cool à voir, t'as pas grand chose à faire et à la fois t'as pas le stress parce que c'est pas la vie réelle quoi.
Donc, au plus tu enlèves le stress, mieux c'est, moi je dirais, parce que ça te permet d'être détendu, et quand on est détendu, ben, c'est là où on est le meilleur. Après, le social, c'est hyper important aussi. Si par exemple, vous avez un ami qui parle cette langue, je sais pas, vous voulez apprendre le chinois, et dans votre entourage, il y a quelqu'un qui parle chinois ou qui vient de Chine, n'hésitez pas à l'aborder, juste lui demander est-ce que c'est possible qu'on se voit de temps en temps, je sais pas moi, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, juste pour un peu parler, j'aimerais bien pratiquer avec toi et ou lire ou quoi que ce soit, que tu me corriges un peu, j'ai écrit ça, est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil, est-ce que c'est correct? Et en échange, par exemple, je sais pas moi, vous lui faites des gâteaux, vous l'invitez au restaurant, vous lui offrez, je sais pas, des fleurs, des places pour aller au cinéma, peu importe. Mais enfin voilà quoi, ça peut être un échange qui vous coûte beaucoup moins que payer des cours et qui peuvent faire plaisir à la personne parce que finalement elle a pas grand chose à faire. C'est pas elle qui devient votre prof, c'est juste un ami ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi une bonne manière d'apprendre parce que si vous allez dans un cours, ça peut être stressant si vous êtes débutant et les cours de langue en groupe, c'est très difficile de trouver des gens qui ont le même niveau que toi et voilà, qui avancent au même rythme. Et après, en ce qui concerne les cours individuels, c'est pas mal du tout. Mais je sais qu'en Europe, ça coûte hyper cher une heure de cours individuel à domicile ou quoi. Il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ça. Après, au niveau de l'écoute, il y a aussi les podcasts qui sont hyper utiles parce que t'as pas besoin de regarder l'écran. C'est fait pour que t'aies pas besoin de regarder l'écran. Et du coup, bah, tu peux vraiment, genre, je sais pas moi, cuisiner, faire du vélo, faire du sport, dessiner, faire autre chose pendant ce temps. Si t'as une vie un peu chargée, tout en écoutant quoi, dans tes écouteurs, ou avec ton enceinte, ou... Voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, ou regarder mes vidéos en anglais et en italien, ce serait chouette. Bon ben gros bisous, et à plus.